J'étais récemment en Chine et on m'a félicité comme si j'étais, et je suis fier parce que je suis citoyen tunisien, comme si j'étais un membre du gouvernement en me disant: on vous félicite, monsieur, pour les réalisations et pour votre constitution, pour cette unanimité. Est-ce que, bien sûr, vous êtes un acteur, ce sentiment de fierté de la concorde nationale vous a, ou de consensus vous a gagné? Écoutez, nous, moi j'étais pour le consensus. La Tunisie ne peut pas être gouvernée par un seul parti, quelle que soit la représentativité de ce parti. Elle ne peut être dirigée que dans le cadre d'un consensus. J'ai toujours œuvré dans ce sens-là. Certains partis n'étaient pas pour ça, comme la NADA n'était pas pour le consensus. Ils sont venus au consensus. Tout le monde dit que j'étais pour quelque chose. Tant mieux. Mais j'estime que le résultat est bon. Et le résultat est le fruit de ce consensus, c'est-à-dire de tout le monde. Bah, donc, au début, ils ont fait une constitution, le 1er juin. Ils l'ont signée. Elle était inacceptable. Nous l'avons combattue. Mais maintenant, nous avons une constitution qui n'était pas formidable, hein, mais qui est acceptée par tout le Mais qui a monde, réuni tout le monde. qui a réuni tout le monde. Vous savez, il y a eu 200 votants sur 216. C'est jamais. C'est exceptionnel. C'est que tout le monde a compris que l'intérêt de la Tunisie, c'était de ne pas avoir un esprit de clocher, mais d'aller dans Donc ce sens. ce génie tunisien, cette exception tunisienne Oui. qui a permis d'arriver à Oui. ce résultat malgré les soubresauts, malgré les soulèvements et la situation très difficile, est-ce que ce génie pourra se manifester encore une fois, sortir de sa lampe pour faire cette nouvelle phase de transition, parce que la Tunisie, pendant les 5, même les 10 années à venir, a besoin d'une réelle Oui, stabilité oui. politique. Vous avez bien dit le génie, c'est vrai. Chaque peuple a son propre génie. Et les Tunisiens sont, c'est le résultat d'une longue histoire. Vous savez, l'histoire de la Tunisie, Millénaire. millénaire. Bon. Et le seul peuple peut-être qui nous dépasse dans cette chose, c'est l'Égypte. Ils ont eu 5 millions, 7 000 années, 5 000 années, 7 000. nous sommes à 3,5, etc. Donc, ça, c'est vrai. Mais nous avons connu toutes les colonisations. Vous savez, nous étions depuis Carthage, depuis les Phéniciens, depuis les Romains, nous Donc, ce avons sont eu. des greffes bénéfiques. Oui, c'est vrai. Mais parce que le melting pot tunisien est bon. Pas, nous sommes donc. Et puis, nous sommes un pays plat. C'est pour ça que nous avons eu Tout passe. tout passe, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que nous avons notre propre génie, mais l'expérience démontre que nous n'arrivons au consensus que contraint et forcé. Lorsque Toujours. Il n'y a plus de. alors tout le monde est pour le consensus.